Nous avons voulu un stand éclairé, un stand coloré, un stand dynamique, un stand qui accueille pour faire la promotion de notre département, de tout notre département, depuis Metz jusqu'au Pays de Beach. Et vous voyez derrière moi, il y a une photo de la citadelle de Beach. Donc on est véritablement sur cette volonté de promouvoir tous les territoires de Moselle dans une politique à la fois de la promotion de ce beau métier qui est celui de l'agriculture qui souffre aujourd'hui. Et nous voulons marquer notre soutien aux agriculteurs de Moselle. Le département est à vos côtés et c'est nécessaire et indispensable pour que l'agriculteur puisse vivre décemment du fruit et du produit de son travail. Et puis ensuite, on est dans cette compétition touristique. Et ce salon, c'est aussi une vitrine. Il nous faut mettre en vitrine le département avec son histoire, avec ses espaces, avec ses espaces naturels, avec ses espaces historiques. La citadelle de Beach en est un exemple. Mais le site de l'Art Verrier, de la même façon, avec les faïenceries de Sarreguemines, tout aussi. Donc pour nous, c'est indispensable que nous soyons présents. Une belle vitrine aujourd'hui. Et dans 3 mois à peu près, c'est la flamme olympique qui passera dans le territoire de Beach, à Maisetal, qui passera à Sarreguemines. Et pour nous, c'est indispensable que nous puissions faire cette promotion parce que la Moselle mérite d'être connue, identifiée sur la carte de France, mais ensuite être visitée et que les gens conservent, ce qui est indispensable, une excellente image de notre département et de son savoir-faire.